vous souhaite en tout cas une bonne année et une bonne série de séminaires. Donc, comme vous voyez, le GDRIA, donc je ne sais pas si c'est une bonne résolution, mais en tout cas, le GDRIA va changer de nom en cette nouvelle année. Il va faire peau neuve. Donc, le GDRIA devient le GDR Radia, pour préciser tout ça. Donc voilà, hein, c'est juste pour votre information si vous ne le saviez pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Et donc, bonne résolution de nouvelle année, ben, c'est aussi que on va faire bouger un petit peu les choses, puisque maintenant, à partir de maintenant, c'est plutôt Sébastien, donc l'autre, Onishni, qui va reprendre la main sur le séminaire, en tout cas, le présider ou le, voilà. Mais moi, je resterai en backup, en tout cas, pour tout ce qui est logistique. Et donc, on commence fort. Hein. Donc, je vais laisser la main bientôt à Sébastien pour qu'il anime scientifiquement ce séminaire. Et on commence fort donc avec Nicolas Sabouret qui va nous faire un séminaire, je pense, très, très intéressant. Et vous voyez en dessous le prochain séminaire donc sera donné par aussi Jérôme Lang sur le choix social computationnel. Donc, je vais laisser à Sébastien introduire de manière mieux que je ne l'ai fait le premier séminaire. Donc Sébastien, je vous rappelle que les micros sont coupés pour l'instant. Vous pouvez intervenir sur le chat et on ouvrira les micros à la fin du séminaire. Donc aussi pour nous faciliter l'enregistrement et faciliter le séminaire. Voilà, merci Sébastien. Je te laisse la main. Merci. Bonjour à tous. Donc on est très heureux donc d'accueillir Nicolas Sabouret qui est professeur à Centrale Supélec, donc à l'Université Paris-Saclay et chercheur au LISN. Et qui est donc un des spécialistes français des systèmes multi-agents et plus exactement des agents conversationnels et des interactions. Et donc, il va nous parler aujourd'hui de modèles logiques, IA et sciences humaines. Donc, voilà. Donc, Nicolas, tu peux partager ton écran. Et puis, donc, si vous avez des questions pendant le séminaire, vous pouvez utiliser le chat et puis on ouvrira les micros de tout le monde pour les questions à la fin du séminaire. Est-ce que, du coup, là, quand je place en plein écran, est-ce que c'est bon, vous voyez ou pas? C'est parfait, tu peux y aller. OK. Bon, bah, bonjour à tous. Comme l'a dit Sébastien, je suis très heureux je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Ça fait vraiment très plaisir de présenter à cette communauté qui est ma communauté de cœur depuis le début de ma thèse, même si effectivement, je travaille aussi beaucoup dans la communauté système multi-agent et dans la communauté agent conversationnel animé. Effectivement, je suis chercheur au LISM. Alors, juste un truc, c'est un nouveau labo, le LISM. En fait, la blague, c'est qu'on ne dit pas LISM, on dit LISM, comme ça fait comme écouter en anglais. Donc, dans l'université Paris-Saclay. Et je vais vous parler un petit peu de modèles logiques, IA et sciences humaines. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait et surtout le contexte dans lequel ça a été fait. Donc, quelques éléments de contexte et après, je présenterai les méthodes qu'on a développées pour le diagnostic d'erreurs humaines, en particulier tout ce qui est basé sur la révision de croyances, l'algorithme qu'on a développé, et je montrerai quelques petits résultats et je parlerai des travaux qu'on mène encore dans la poursuite de ce travail-là. Donc juste en termes d'éléments de contexte, le domaine qui m'intéresse, c'est la modélisation et la simulation du raisonnement humain, donc des comportements humains, mais dans la partie cognitive du comportement humain. Donc, historiquement, je propose des modèles de représentation des connaissances ou des modèles formels d'interaction pour reproduire de l'activité ou des comportements d'individus. Et en particulier, ça s'applique à la simulation multi-agent, dans lequel il y a un paradigme logique qui a beaucoup fait parler de lui depuis les années 90, hein, qui est le paradigme Belief, Desire, Intentions. Et par ailleurs, j'ai aussi contribué à développer la communauté agents conversationnels affectifs et interaction en France, qui est la communauté qui s'intéresse à l'interaction avec des personnages virtuels en prenant en compte les dimensions socio-affectives dans l'interaction. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de prendre en compte le côté non rationnel du comportement humain. Comme je dis parfois, jouer mal aux échecs, on sait faire, jouer bien aux échecs, on sait faire, mais jouer aux échecs, on sent les mêmes bêtises que les humains, c'est plus compliqué. Et du coup, c'est un peu ça l'enjeu des travaux de recherche que je mène depuis 20 ans maintenant. Au niveau du laboratoire, donc dans mon laboratoire, je suis dans une équipe qui s'appelle CPU pour cognition, perception, usage, qui est composée à peu près pour moitié-moitié de chercheurs en psychologie et en ergonomie cognitive et de chercheurs en informatique.
Donc, on essaye dans l'équipe d'étudier l'humain pour mieux concevoir des systèmes d'IHM, entre autres, et puis de concevoir des systèmes pour mieux comprendre l'humain. Donc, il y a une espèce d'aller-retour comme ça, intéressant entre sciences humaines et IA, qui est dans un contexte effectivement d'interaction humain-machine. Et la partie moi qui m'intéresse, c'est plus la partie IA que la partie IHM. Mais voilà, c'est le cadre général dans lequel ce travail se fait. Et donc, plus particulièrement, je m'intéresse à l'erreur humaine, donc à modéliser dans le raisonnement humain aussi les erreurs de raisonnement. Et les erreurs de raisonnement, elles sont très présentes. Je vous ai mis ici là trois petits exemples qui parleront à tout le monde. Il y a des effets de mode, hein, quand il s'agit de prendre une décision, on a tendance à se ranger plutôt à la décision majoritaire qu'à faire l'original, même si chez les chercheurs c'est un peu moins vrai parce qu'on a souvent un caractère curieux. Il y a des biais cognitifs qui sont effectivement complètement irrationnels par rapport à la logique, mais qui sont bien pratiques dans la vie de tous les jours. Et par exemple, si je jette 10 fois une pièce de 1 € et que ça tombe 10 fois surface, c'est assez peu probable que vous croyez que ça va. Enfin, 10 fois, ça fait beaucoup. Mais 3 fois surface, vous allez dire, ah, vraiment, c'est incroyable. La 4e fois, ça va pas arriver, ça va pas tomber surface. Alors qu'en fait, la probabilité, elle change pas. Et puis, il y a les croyances. On raisonne avec des croyances. Il y a des gens qui croient que le vaccin, c'est bien, donc qui croient que c'est pas bien, et qui prennent des décisions parfois graves sur la base de ces croyances. Et donc, il se passe plein de choses dans notre tête. Et comment est-ce qu'on peut essayer de les modéliser en logique? Et de travailler dessus pour concevoir des systèmes. Alors le travail dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un travail qui a été soutenu très récemment, qui s'est mené dans le cadre de la thèse de Valentin Fouillard, qu'on a co-encadré avec 2 collègues, Frédéric Boulanger et Safouane Taha. Et la thèse n'a pas commencé en 2014, elle a commencé en 2019, mais nous, on a commencé à travailler sur le sujet dès 2014. En fait, Frédéric Boulanger et Safouane Taha sont des chercheurs en méthode formelle. Donc, eux, ils s'intéressent au del checking, à ce genre d'outils pour vérifier des systèmes, en particulier des systèmes temporels. Et moi, je venais plutôt du monde de BDI et de la simulation multi-agent. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut pas essayer de marier le côté modèle checking de LTL, par exemple, des logiques temporelles, avec le modèle plus psycho-info qu'on a dans les logiques type BDI et simulation multi-agent. Et en particulier, on voulait travailler ensemble sur marier ces deux approches pour étudier des problèmes comme les accidents d'avion. Quand il y a un accident d'avion, on a une machine qui marche à peu près bien normalement, avec des gens qui, a priori, savent piloter, et pourtant, il y a un accident. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans le cas du Mont-Saint-Odile, là, que j'illustre ici, enfin, j'ai pris une photo sur Internet, il y avait une mauvaise ergonomie au départ, il y a une erreur de manipulation de la part des pilotes, et il y a une erreur d'interprétation. Donc, il y a plusieurs erreurs qui se sont cumulées. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut représenter ce qui s'est passé et utiliser des modèles informatiques, des modèles logiques, hein, dans le sens, parce que je vais vous parler de choses qui, c'est de la logique formelle que je pense dans cette communauté, tout le monde connaît bien, pour essayer de comprendre et peut-être éventuellement d'éviter à terme, hein, des erreurs de ce type-là. Donc les méthodes formelles appliquées ici au cas des accidents d'avion, l'idée, c'est de faire une modélisation à l'aide d'un langage logique du fonctionnement du système et de son comportement. Donc nous, on va essayer de modéliser la situation de l'accident et on va utiliser les approches logiques pour vérifier les propriétés sur le modèle. Et nous, les propriétés qui nous intéressent, c'est de retrouver les erreurs qui peuvent expliquer le résultat, donc en l'occurrence l'accident. Et la difficulté qu'on a face à ça, c'est que l'erreur humaine, elle n'est pas logique. Donc on est en train de dire, on va utiliser des systèmes logiques pour retrouver des trucs pas logiques. Évidemment, on vous dit que c'est bizarre. Alors, c'est pas si bizarre que ça, parce qu'en fait, il y a plein d'outils dans la communauté model checking et modèle formel, hein, que pas mal d'entre vous, je pense, connaissent aussi, qui sont capables de dire, bah là, cette proposition, elle n'est pas satisfiable, enfin, elle n'est pas, pardon, elle n'est pas consistante. Et donc, si elle n'est pas consistante, bah, probablement qu'il y a quelque chose à en dire. Alors, l'approche qu'on a, enfin, la problématique qu'on a et les questions de recherche qu'il y a derrière, donc, c'est de diagnostiquer, on va utiliser du diagnostic, hein, pour diagnostiquer les prises de décision erronées dans une situation d'accident à l'aide des méthodes formelles. Et du coup, on va partir d'un langage logique pour déduire les comportements illogiques et on va vouloir, dans un deuxième temps, évaluer la plausibilité des comportements illogiques calculés. Parce que quand on va générer, on va le voir tout de suite, hein, quand on génère des ensembles de propositions qui permettent d'identifier les erreurs de consistance,
En fait, il y a plein de choses qui sortent, et dans ces choses qui sortent, il y en a peut-être certaines qui sont plus plausibles que d'autres du point de vue du comportement humain, et c'est là où les travaux en sciences humaines vont être bien utiles pour nous permettre de les identifier. Alors, j'ai commencé par un petit détour sur les sciences humaines. L'accidentologie, c'est quelque chose qui a été largement étudié, c'est pas d'hier. Et donc, dans les accidents, en fait, la plupart des théories du domaine disent que les accidents sont eux-mêmes des systèmes complexes. C'est-à-dire que c'est difficile de modéliser l'accident parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Et il y a un modèle qui fait un peu, les gens retiennent bien parce qu'il a un nom rigolo, c'est le modèle en fromage suisse qui vous dit qu'en gros, pour que ça plante, il faut que tous les trous soient bien alignés. Et donc, il suffit pas juste qu'il y ait un problème à un moment, il faut que l'ensemble de la chaîne aille jusqu'au bout de l'erreur. Et ça a conduit un chercheur qui s'appelle Decker à proposer en 2006 un modèle que je vais vous présenter tout de suite pour comprendre un petit peu l'erreur humaine et en particulier comprendre ce qui intervient dans ces différentes couches. Et ce que dit Decker, c'est que il y a deux choses qu'il faut bien différencier quand on analyse une erreur humaine en accidentologie. C'est d'un côté le point de vue de l'agent, qui est ce que l'agent aurait pu savoir dans un monde parfait, et puis les croyances de l'agent, c'est-à-dire ce que l'agent a cru au moment où il a pris la décision qui s'est avérée être une mauvaise décision. Et Decker dit, il faut distinguer les deux, c'est-à-dire nous, on a l'ensemble des informations possibles, et il faut arriver à retrouver l'état de croyance de l'agent qui l'a amené à prendre une mauvaise décision. Et donc, quand on va le transposer en logique, en gros, on est en train de dire qu'on va avoir un ensemble d'informations qui, a priori, peut être cohérent, alors peut être aussi incohérent. Parfois, on a dans l'environnement des informations incohérentes, mais et dans lequel la décision qu'a pris l'agent, elle, va être incohérente. C'est-à-dire que l'agent prend une décision, et quand on a l'ensemble des informations, ben, on doit observer une incohérence. Le système n'est pas correct. Alors que dans le système de l'agent, il faut que la décision qu'il a prise, elle apparaisse cohérente par rapport à l'ensemble des croyances qui étaient celles de l'agent. Et donc, on va essayer, nous, à partir d'un système qui contient les incohérences, de retrouver un sous-ensemble cohérent. Et ça va parler aussi à pas mal d'entre vous qui ont travaillé sur des sujets comme ça il y a plusieurs dizaines d'années, ce qui nous rajeunit pas. Et donc, en fait, ce modèle, il va nous permettre de dire pourquoi dans ces maladies. Il va nous permettre de dire que l'agent a pris la décision parce qu'il avait tel état de croyance, il croyait fi. Mais ensuite, on va s'intéresser à voir pourquoi est-ce qu'on peut dire que l'agent croyait fi. Et donc, c'est tout ça qu'on va essayer de mettre en œuvre à travers un algorithme. Juste une toute petite parenthèse encore côté sciences humaines sur l'aspect pourquoi les gens font des erreurs. Donc, les gens font des erreurs, ça a été beaucoup étudié en sciences humaines et en psychologie en particulier. Ces erreurs, on appelle ça en fait des biais cognitifs. En fait, les humains ont une rationalité limitée, et donc on utilise constamment des raccourcis de pensée, comme ceux que j'ai évoqués tout à l'heure sur le tirage à pile ou face, suivre la mode ou faire confiance à ses croyances. Ces raccourcis de pensée, c'est des heuristiques, et vous le savez bien, on y a des heuristiques, ça marche très bien la plupart du temps, et de temps en temps, ça foire. Et bien, quand ça foire, on tombe dans un biais cognitif. On appelle ça un biais cognitif. Quand ça marche bien, on n'appelle pas ça un biais cognitif, on est content. Donc c'est très efficace dans la plupart des situations. Le problème, c'est d'éviter de repérer quand ça mène à des mauvaises décisions. Et donc nous, notre objectif, c'est de retrouver des croyances cohérentes pour diagnostiquer l'erreur humaine, et ensuite de voir si on peut modéliser les biais cognitifs pour expliquer justement ces états de croyances cohérents. Donc si je résume toute la démarche, et après je vais rentrer dans la technique, on part d'un système qui est pas cohérent. On essaie de le re-rendre cohérent et on regarde parmi les différentes manières de le re-rendre cohérent, lesquelles pourraient correspondre à des erreurs classiques de la part des humains, qui seront des biais cognitifs identifiés par les psychologues. Voilà, donc pour faire ça, on va travailler effectivement sur des modèles de représentation de croyances. Donc il y a plein de modèles. Je voudrais juste parler de quelques enfin, juste rappeler quelques points importants pour être sûr qu'on ait tous le même bagage. En fait, il y a un domaine qui s'appelle le domaine de la révision de croyances, qui date des années 80, qui s'est beaucoup intéressé à cette question de comment j'intègre des nouvelles croyances dans une base de connaissances tout en gardant la consistance. Et un truc qui nous intéresse particulièrement, c'est les postulats AGM,
Ils sont en gros un ensemble d'axiomes qui dit voilà, tout opérateur qui respecte ses propriétés va faire de la révision de croyance minimale au sens d'AGM, et ça, on va considérer que c'est une bonne manière de faire de la révision de croyance parce que ça traduit un comportement cognitif de type j'ai gardé le plus que je pouvais dans ce que j'avais à ma connaissance, tout en rendant mon système consistant. Et après, il y a d'autres problématiques qui se posent, hein, quand on s'intéresse à retrouver des erreurs, en particulier la mise à jour des croyances suite à une action ou l'extrapolation de nouvelles croyances suite à des changements dans l'environnement. L'extrapolation, Florence, par exemple, chez nous, a montré qu'il y avait un lien avec les postulats AGM. Donc, en fait, ce qui se passe, hein, c'est que on va avoir à la fois la compréhension des causes d'erreur par le diagnostic. Donc nous, on va utiliser du diagnostic par consistance de type ce que faisait Reiter. On va du coup utiliser de l'extrapolation, de la mise à jour, et en fait tout ça, ça va se ramener systématiquement à de l'AGM. Donc en fait, on dit, on a toujours le même problème, c'est d'arriver à sortir un opérateur AGM pour faire la révision de croyance minimale. Et c'est avec ça qu'on va faire notre diagnostic. Plus précisément, on va utiliser un opérateur qui s'appelle MCS, donc c'est les Minimal Correction Sets. Donc le principe est très simple, si vous avez un ensemble phi de propositions, le sous-ensemble M inclus dans phi, c'est un Minimal Correction Set. Si et seulement si, bah, quand je retire M, j'ai un sous-ensemble qui est cohérent, et quand je remets n'importe quoi de M, c'est plus cohérent. Donc c'est vraiment le sous-ensemble qui est minimal, qui permet de rendre mon système cohérent. Et en fait, Valentin, dans sa thèse, a montré que MCS vérifiait les postulats AGM. Et donc, on va utiliser MCS, et on le verra plus tard, une implémentation particulière des MCS qui a des propriétés qui nous intéressaient, nous, pour des raisons opérationnelles lors de l'implémentation. Donc, l'approche générale, là, je me répète un petit peu, c'est effectivement de dire on va partir d'une décision incohérente, on va retrouver les états de croyance possibles, et ça on va le faire avec un algorithme itératif en utilisant des MCS, et ensuite on regardera les biais et on dira est-ce que ces biais correspondent à des états de croyance, enfin nous décrivent des choses plausibles, donc est-ce que les états de croyance qu'on a calculés sont effectivement plausibles ou non. Alors sur la première partie, le diagnostic à la Dekker implémenté avec des MCS, on a en entrée des actions effectuées par les gens, des croyances initiales et puis un point de vue qui est l'ensemble des connaissances accessibles. Donc en accident d'avion, en gros, les croyances initiales et les points de vue, c'est la boîte noire. L'action effectuée, c'est ce qui s'est passé. Et puis, on va essayer de retrouver ce qui a bien pu se passer dans la tête des pilotes. Et pour modéliser ça en logique, on utilise un langage très simple avec des propositions indiquées temporellement parce qu'on veut dire il s'est passé ça au temps 1, au temps 2, au temps 3. Donc, par exemple, alarme de 0, c'est il y a une alarme au temps 0. Et on va avoir des observations. Par exemple, j'ai observé, donc le pilote pouvait observer l'alarme au temps 0. Je vais avoir des règles de raisonnement. Par exemple, s'il y a une alarme au temps T, alors ça veut dire qu'il y a un danger au temps T. Je vais avoir des désirs. Donc, je vous ai dit, je viens de la communauté BDI. Donc, nous, on aime bien mettre des désirs. Et donc, je veux éviter d'avoir des dangers. Et puis, on va avoir des actions. Par exemple, au temps 1, le pilote a tiré sur le manche. Au temps 2, il a poussé sur le manche. Et puis, on va avoir des états de croyance, du coup, grand B, que je vais indiquer temporellement. Et alors, notre problème, c'est qu'on a un état, donc BT-1, qu'on va supposer cohérent. On rajoute les désirs, les règles de raisonnement, les observations et l'action effectuée. Et ça, ça nous donne un état qui n'est pas forcément cohérent, enfin qui est même certainement pas cohérent si l'action était une erreur. Après, dans l'ensemble des choses qu'on simule, il n'y a pas toujours des erreurs, mais on obtient un ensemble qui est potentiellement incohérent. Et on va du coup résoudre ces incohérences en calculant un ensemble BT, qui est l'état de croyance possible de l'état suivant, en extrayant des ignorances. Donc en fait, on va calculer l'ensemble I, et vous voyez les MCS arriver derrière, hein, on va calculer l'ensemble I qu'il faut retirer pour retrouver un état de croyance cohérent en intégrant le plus de choses possibles nouvelles. Donc par exemple, au début, je crois que j'ai de l'essence, et puis j'observe qu'il y a une alarme comme quoi j'aurais pas d'essence. J'ai une règle qui me dit que quand j'ai pas d'essence, il faut que je me pose. Et en fait, je décide de continuer au lieu de me poser.
Donc, il y a plein de choses pas cohérentes là-dedans. Il y a déjà le fait que on me dise que il n'y a pas d'essence alors que moi je croyais qu'il y avait de l'essence. Ça, c'est incohérent. Il faut le rendre cohérent. Il y a le fait que je me pose pas alors qu'on m'a dit qu'il y avait une panne d'essence. Ça, c'est pas cohérent. Il faut que je le rende cohérent. Et donc, il y a plein de choses que je peux ignorer là-dedans. Je veux dire, je tiens pas compte de l'alarme sur l'essence. Je tiens plus compte du fait que j'avais assez d'essence. Je tiens pas compte de la règle qui dit qu'il faut me poser. Enfin, je peux supprimer plein de choses. Il y a une chose qu'on va jamais supprimer, c'est l'action. C'est-à-dire que nous, c'est admis que le pilote, il s'est pas posé. Donc ça c'est fait, et maintenant dans le reste, qu'est-ce qu'on peut retirer? Et donc pour ça on va utiliser les MCS, et plus précisément l'algorithme qui a été proposé en 2008 par Lifton, qui est un algorithme dans lequel on peut protéger un ensemble de formules. Donc on va l'utiliser plusieurs fois, on ne va pas que mettre l'action là-dedans, vous allez le voir, hein, mais l'idée c'est que je calcule les MCS possibles, donc les révisions minimales possibles, à partir d'un ensemble phi, et en préservant, en protégeant un sous-ensemble de phi, en disant ça, j'ai pas le droit de l'ignorer, c'est fait. Et on va calculer comme ça, à l'aide d'un algorithme itératif, successivement différents MCS qui vont correspondre à des révisions de croyances, à des diagnostics sur l'action, à une extrapolation et à une mise à jour ensuite du système. Et on va revoir, pour ceux qui connaissent ce problème, on va revoir surgir le problème du décor, qui est un problème très classique quand on modélise des actions et des changements, qui a été identifié en 1969 par McCarthy et Hayes, qui est un peu un des problèmes fondateurs de notre discipline. Et on va voir que ce problème il est un peu remis en question quand on s'intéresse aux erreurs humaines. Et donc, avec cet algorithme, en quatre étapes, on va capturer à chaque fois des erreurs différentes. Je vais vous montrer ça avec des petits exemples. Donc, la première étape, c'est d'intégrer les nouvelles croyances. Donc, c'est de faire de la révision de croyances. J'intègre des nouvelles choses à partir de mes observations. Et donc, je mets mes observations. Là, j'ai pas mis l'action là-dedans pour l'instant. J'injecte juste les observations, les règles, les désirs. Évidemment, ça reste. Je les réinjecte à chaque tour. Le pilote, il ne les apprend pas à piloter. Et il a toujours les mêmes désirs dans la vie. Et je rajoute ça à BT-1 et je protège rien. Et je regarde ce que ça me donne comme MCS. Donc, par exemple, hein, j'ai deux types d'incohérences qui peuvent apparaître. J'observe une alarme alors qu'en même temps, je vois mon indicateur d'essence qui me dit que c'est bon, j'ai de l'essence. Donc là, j'ai deux observations qui ne sont pas cohérentes entre elles. Ou alors, moi, je croyais que j'avais assez d'essence, mais j'observe une alarme de panne d'essence. Donc ça, c'est pas cohérent. Donc il va falloir que je choisisse l'un ou l'autre pour rendre mon état cohérent. Et donc, vous voyez que ça me fait déjà deux révisions possibles dans ces exemples-là. Ensuite, l'étape d'après de l'algorithme, c'est de dire maintenant je rajoute l'action. Donc je protège l'action, je dis elle a lieu, mais je la protège, donc on ne peut pas l'annuler. Et donc je regarde si l'état de croyance cohérent que je viens de construire, quand je rajoute l'action, il devient incohérent. Et s'il devient incohérent, bah, il faut que je corrige, enfin je calcule les MCS. Donc, par exemple, hein, le pilote décide d'atterrir en urgence alors qu'il avait assez d'essence. Donc j'ai choisi dans mon état de croyance là qu'il y avait assez d'essence. J'ai enlevé l'alarme, donc pour moi, il y a assez d'essence, et pourtant, le pilote se pose, donc là, j'ai créé une incohérence, il faut que je résolve cette incohérence, et ça me donne d'autres révisions, d'autres ignorances, que j'appelle, voilà, je obtiens un ensemble que j'appelle MDI. Ensuite, on va apparaître le problème du décor dans notre problématique d'extrapolation. Donc, je vous rappelle juste, hein, le problème du décor, c'est que quand on a comme ça des actions et des effets d'action, et surtout des états successifs, en fait, il faut maintenir le décor d'un état à l'autre. C'est-à-dire que si je fais une action A et que l'action A ne concerne pas le prédicat phi, bah, j'ai eu phi était vrai au temps t, phi doit toujours être vrai au temps t plus 1. Phi est fait et est toujours vrai une fois que j'ai fait l'action A à partir de l'état dans lequel phi était vrai. Et donc, en général, il y a des règles d'inertie de la forme, alors là, je simplifie, hein, mais de la forme phi de t-1 est égal à phi t. Et j'applique ça. Et évidemment, ça marche bien tant que l'action que je fais n'impacte pas les phi en question. Et tout problème du décor, c'est d'arriver à voir comment représenter le plus simplement possible ce genre de choses. Là, nous, ce qu'on va faire, on va s'intéresser à l'extrapolation. Donc, l'extrapolation, c'est quand j'observe des choses. Donc, ça s'est passé, et c'est pas moi qui ai agi, c'est de l'extérieur. Il s'est passé des choses. Et ces choses-là, elles sont pas cohérentes avec ce que moi je pensais qui était l'évolution normale du décor. Donc attention, dans le moi ce que j'ai fait, ça a été capturé par l'histoire de l'action. C'est moi j'ai fait cette action et c'est pas cohérent avec ce que j'avais comme état de croyance. Donc là, j'ai résolu la première partie du problème du décor qui était il faut que mon action puisse se faire. Mais la partie extrapolation, c'est voilà, je croyais que le décor bougeait pas et puis bah, j'ai observé que le décor il a bougé.
Donc, il faut que je recrée un système cohérent. Donc, par exemple, je croyais qu'il y avait assez d'essence, mais voilà, maintenant, j'ai une alarme qui me dit, en fait, non, tu n'as pas assez d'essence, bah, il faut que je mette à jour. Donc, ça me donne encore un ensemble de MCS, et ça me donne un nouvel état de croyance consistant. Et puis après, j'ai une dernière étape qui permet de faire de la mise à jour. Donc là, c'est vraiment mes actions à moi. À nouveau, je réinjecte mon action et je regarde si les effets de mes actions sont cohérentes avec l'état que j'avais annoncé. Ou si les préconditions de mes actions sont aussi cohérentes avec cet état de décor. Donc là, ça va permettre de capturer les erreurs d'oubli. Donc il y a un accident très célèbre en 92 pour les plus vieux d'entre nous, le crash du Mont Saint-Olive, où les pilotes, ils avaient réglé l'appareil sur une certaine position et ils ont oublié qu'ils avaient réglé l'appareil sur la position vitesse verticale. Et donc, ils ont configuré comme si c'était un angle de descente au niveau d'une vitesse verticale, et du coup, ils sont partis en piqué vers le sol. Et ben voilà, là, j'avais donc mon décor qui ne devait pas changer, mais j'ai oublié que mon décor n'avait pas changé, et finalement, je n'ai pas fait la bonne action. Donc ça va me correspondre à des mises à jour et des distorsions. Hein, donc là, je vous donne deux exemples. Une mise à jour, c'est par exemple, j'ai décidé d'atterrir en urgence, et donc je vais devoir mettre à jour mes croyances parce que je veux tenir compte de l'effet du fait de j'atterris en urgence, donc je me pose. Et puis, la distorsion du décor, donc l'oubli, ça va être, la réserve était remplie, mais je l'ai oublié, et donc je décide quand même de me poser en urgence. Donc on va avoir ces quatre types d'erreurs qui vont apparaître, qu'on capture successivement dans les quatre étapes, et juste pour votre curiosité, ça a été implémenté donc avec un SMT solver. Donc les SMT solver, c'est des extensions de solver SAT pour les logiques de premier ordre. Et en fait, on utilise un SMT solver parce qu'on utilise des fonctions push et pop pour regarder le modèle en mémoire. Ça permet d'optimiser un peu le calcul. Et donc, on calcule comme ça les ignorances avec l'algo de Liffitton. Et notre fichier de données, il est écrit en mode texte ou éventuellement en version en mode JSON. Et du coup, on lit, on parse le fichier, on le passe au SMT solver et on obtient en sortie d'ignorances possibles qui permettent de reconstruire les états. Donc ça, c'est un problème, enfin c'est le problème principal, c'est qu'à chaque étape de mon algorithme et à chaque pas de temps de chaque étape, enfin des quatre étapes de mon algorithme, donc à chaque pas de temps, j'applique quatre fois mon algo, là comme je vous l'ai montré, à chaque pas de temps, j'obtiens un ensemble d'ignorances. Et j'ai plusieurs ignorances possibles à chaque pas de temps. Et évidemment, ces ignorances correspondent de manière symétrique à des états de croyance. Le problème, c'est que j'ai un nombre de scénarios. Les scénarios, c'est les branches qui descendent de la racine jusqu'à la feuille. J'ai un nombre de scénarios qui explose. Dans le cas du Rio-Paris, qui est une modélisation qu'on a faite avec quatre pas de temps, où on modélise sur quatre pas de temps les décisions des pilotes dans le cas du Rio-Paris, on a 900 000 feuilles possibles de révision de croyances. Et donc, la question, c'est parmi ces 900 000, lesquelles sont vraiment des erreurs humaines et lesquelles sont des trucs que le moteur logique nous sort, mais qui correspondent à rien, donc c'est pas la peine de les regarder. Et en gros, ce que je voudrais faire, c'est un Google ranking des 900 000 feuilles possibles, enfin, des 900 000 scénarios possibles. Donc, pour faire ça, on utilise le fait qu'on avait notre algorithme à plusieurs étapes. Et à chaque étape, en fait, on a des ignorances qui sont des choses normales et des ignorances qui peuvent être des problèmes potentiels. Par exemple, quand je fais de la révision de croyances, hein, ça peut être des ignorances qui sont dues à des infos contradictoires, donc qui peuvent être des choses normales parce que je croyais quelque chose, puis bon, voilà, ça a changé, donc je dois le réviser. Mais ça peut être aussi des choses qu'on m'a fournies qui n'étaient pas cohérentes entre elles. Et du coup, il a fallu que le pilote prenne une décision avec des informations contradictoires. Et ça m'intéresse de le savoir. Hein, dans le cas du Rio-Paris, au début de la simulation, ils avaient la sonde Pitot qui leur disait « au niveau vitesse, ça déconne ». Et ils avaient plein d'indicateurs, en l'occurrence une alarme de décrochage, qui leur disait « attention, vous décrochez ». Et on peut pas être à la fois en survitesse et en décrochage dans un avion, c'est pas possible. Donc les pilotes, ils ont dû choisir, et manque de bol, ils ont choisi « on est en survitesse », et après, bon, ils sont un peu obstinés, et du coup, ça n'a pas marché. Au deuxième pas de temps, je vais avoir les ignorances dues à des mauvaises décisions, donc ça m'intéresse de capturer. Hein. Le diagnostic de cohérence, il va permettre de repérer les moments où les actions n'étaient pas bonnes, donc ça m'intéresse bien. Après, au troisième pas de temps, la partie mise à jour, ça c'est normal qu'il y ait des corrections, c'est-à-dire que le décor ne devait pas changer, mais finalement il y a des choses qui changent dans le décor du fait des observations. Bon, bah, c'est normal, je corrige, et donc là, il n'y a pas de difficulté. Par contre, au dernier pas de temps, les oublis, les faux souvenirs, ça je vais vouloir les capturer. Donc, à chaque étape de mon algorithme, j'ai des ignorances et il y en a certaines qui m'intéressent particulièrement.
Et donc, on va utiliser ces différentes étapes pour repérer les types d'ignorance à l'aide des biais cognitifs. Alors, c'est la deuxième partie hein, de notre méthode. Donc, une fois que j'ai l'ensemble des 900 000 états de croyance possibles, je regarde lesquels pourraient correspondre à des biais cognitifs. Et en fait, on va regarder, on va d'abord faire une hypothèse, avant de pour obtenir notre score de positivité, on va faire l'hypothèse que les biais cognitifs, c'est des raisonnements qui sont classiques des humains, et donc c'est normal d'avoir ce genre d'erreur, et donc c'est une bonne explication quand on tombe sur un scénario qui correspond à un biais cognitif. Et du coup, pour ça, il va falloir représenter en logique les biais cognitifs. Et on va faire ça d'abord en construisant des comportements psychologiques primitifs, pour, en gros, une sorte de bibliothèque de comportements cognitifs qu'on va assembler pour caractériser nos biais cognitifs. Alors, dit comme ça, ça paraît très abstrait. Je vais vous montrer ça très concrètement. Je vais commencer par faire des comportements primitifs qui regardent juste un étage d'ignorance. Ils vont dire, voilà, au pas de temps d'eux, en fait, il s'est passé il y a des ignorances possibles. Par exemple, il a ignoré des observations, ou il a ignoré des règles, ou il a ignoré des conditions d'action. Ou alors, je vais dire, il a fait des ignorances de type mise à jour, de type extrapolation, de type oubli, distorsion du décor. Ou alors, je vais dire, il a fait des ignorances en rapport avec ses buts. Et donc ça va être les caractéristiques intrinsèques d'un ensemble d'ignorances, d'un MCS possible à un pas de temps. Et après, je vais regarder par rapport aux autres MCS possibles dans le même pas de temps. Je vais dire, l'algorithme de Diffiton, là, il a sorti 12 MCS. Bah, moi, j'ai choisi ce MCS là en bleu, mais finalement, il y avait 11 autres MCS possibles à côté. Et qu'est-ce que ça me dit de ne pas avoir pris cela? Ça me dit que, par exemple, j'ai pas tenu compte de certains désirs. Ça me dit que j'ai choisi des choses qui m'enlevaient moins de prédicats que celui-là. Parce que dans les ensembles minimaux, ils font pas tous la même taille, ils sont tous minimaux, au sens de je peux pas en remettre, sinon ça revient inconsistant. Mais ils ont pas tous le même nombre de prédicats, de propositions à l'intérieur. Donc, je vais dire, tiens, bah, j'ai des ensembles plus grands et plus petits. Donc, ça coûte plus cher de peut-être d'oublier plus de choses que de d'en oublier moins. Je vais avoir des désirs que je souhaite ou que je souhaite pas et dont je me suis éloigné ou rapproché. Et donc ça, je vais regarder par rapport aux autres ignorances possibles. Et puis, troisième étape, on va regarder par rapport aux pas de temps précédents. Par exemple, est-ce que j'ai gardé des croyances des pas de temps précédents? Est-ce que je suis plutôt conservateur ou plutôt crédule? Hein, quand on me donne une nouvelle information, est-ce que je crois à la nouvelle information ou est-ce que je crois plutôt ce que j'avais avant? Est-ce qu'on a des similitudes? C'est-à-dire, j'ai déjà réagi de telle manière au pas de temps précédent face à la même situation et donc je reproduis la même erreur deux fois de suite. Bon, voilà. On va s'intéresser à retrouver ce genre de comportement primitif. Et à partir de ces comportements primitifs, on construit des bibliothèques de biais. Et donc, par exemple, hein, le biais de facilitation, qui est le biais qui dit qu'on est plutôt, quand il y a un danger, on a tendance à se concentrer un peu sur le danger. Et donc, par exemple, le pilote, il veut pas être en panne d'essence, il va s'intéresser à l'alarme de panne d'essence, alors qu'il va oublier qu'en fait, il a assez d'essence. Dans le cas du Mont-Saint-Odile, hein, les pilotes, ils étaient très concentrés sur la trajectoire horizontale de leur appareil, et du coup, ils ont pas très fait gaffe à la trajectoire verticale, et ça s'est mal terminé. Donc, en fait, ça, je vais dire, ben voilà, si j'ai deux observations en contradiction, ça va correspondre à un comportement primitif. Si j'ai une contradiction avec mes désirs, ça, c'est un autre comportement primitif. Si j'ai ignoré parce que je me suis concentré sur un certain élément, donc ça, c'est aussi un autre comportement primitif. Et donc, je les ai mis en couleur, en bleu et en rouge, hein, des comportements locaux et des comportements de voisins, avec mes voisins. Donc, ça me donne cette formule. Je vais dire, voilà, je me suis concentré sur phi par rapport à un désir dans l'ensemble d'ignorance i dans lequel j'ai trouvé phi. Ça veut dire qu'effectivement, c'était une observation, il y avait un désir et je me suis concentré sur ce phi. Et finalement, le biais de facilitation, c'est de s'être concentré sur phi en ayant, alors que phi correspondait en fait à un élément de préférence et que c'était une observation. Enfin, j'aurais pu préférer phi prime et c'était une observation. Et donc ça va me permettre de dire que j'avais effectivement un pas de temps, un biais de facilitation sur cet ensemble de révisions i. Le biais de facilitation étant caractérisé par le désir et le phi en question. Et ce qui m'intéresse, c'est de dire surtout hein, dans cet ensemble i d'ignorance possible, donc dans ce MCS.
au patenté, qui est le xième MCS possible du patenté, en fait, par rapport à une formule phi qui porte sur un temps T prime, qui peut être passé au futur, il y a effectivement ici un biais de facilitation. Je vous donne un autre exemple juste pour la route, hein, le biais de confirmation, qui est un biais qu'on trouve très souvent dans les erreurs humaines, c'est le fait de rester sur des choses qui confirment nos croyances plutôt que d'accepter les. Enfin, si vous croyez quelque chose, vous croyez que les éléphants sont roses, si je vous dis je crois que j'ai vu un éléphant gris, vous allez plutôt dire oh ben non, t'as dû te tromper. Parce que vous pensez que les éléphants ils sont roses. Et donc pour ça, pareil, on a un comportement primitif, donc là qui allie le fait qu'on a une observation, qu'il y a un choix à faire entre deux observations, et que j'ai une règle de conservatisme par rapport à des croyances précédentes, et ce qui permet de dire que dans l'ignorance X au pas de tenté, j'ai un élément phi qui me permet d'affirmer que cette ignorance, elle traduit un biais de confirmation. Voilà, après, il y a différentes manières de confirmer, donc je ne vous donne pas le détail. Tout ça, c'est détaillé dans la thèse de Valentin Fouillard, si vraiment vous voulez voir le modèle derrière complet. Et donc, ce motif, par exemple, hein, le motif du biais de confirmation, bah, on va le retrouver quand on modélise l'accident Rio-Paris. Dans les révisions possibles que nous sort le système, on va tomber sur un biais de confirmation, on va retrouver ce pattern-là, et on va pouvoir dire, bah là, j'ai effectivement une ignorance possible qui correspondrait à un biais de confirmation. Donc, sur les 900 000 scénarios, ce scénario dans lequel il y a un biais de confirmation, il pourrait être plausible, il pourrait être intéressant. Donc, juste pour terminer la présentation, je vais vous reparler un petit peu plus de cette évaluation qu'on a faite sur le cas du Rio-Paris. Pour rappel, hein, le Rio-Paris, il y avait des sondes Pitot qui sont des sondes qui mesurent la vitesse de l'appareil qui était défaillante, qui était bouchée à cause de la glace. Et du coup, il y avait des informations de vitesse qui étaient fausses. L'alarme de décrochage a retenti, alors je crois que c'est 75 fois, pas 50. Et les pilotes ont malgré tout maintenu l'appareil en décrochage parce qu'ils ont confondu avec une situation de survitesse. Donc le décrochage, c'est quand vous avez le nez en l'air comme ça, et du coup, votre appareil il tombe vers le sol parce qu'il est plus porté, l'aile, elle porte plus. Et la survitesse, c'est plutôt quand vous avez le nez vers le bas, vous êtes en train de piquer vers le sol comme une andouille. Donc dans les deux cas, ça se termine mal. Et voilà, il ne faut pas faire la même chose. Quand on a le nez en l'air, il faut pousser le manche pour remettre le nez vers le bas. Et quand on est le nez en bas, il faut tirer le manche pour remettre le nez vers le haut. Et en fait, les pilotes, comme ils croyaient qu'ils sont en survitesse, ils ont tiré le manche. Et du coup, en tirant le manche, ils ont maintenu l'appareil en décrochage au lieu de résoudre la situation. Et donc voilà, on modélise la situation avec un petit langage, hein, en mode texte, juste pour pouvoir le passer en pseudo MCS. Donc par exemple, on va dire qu'il y a des croyances de décrochage, de survitesse, d'alarme de décrochage. Il y a des choses qui disent que quand l'alarme décroche, bah, a priori c'est qu'il y a un décrochage. Quand on est en survitesse, a priori il faut tirer sur le manche. Quand on tire sur le manche, a priori on n'est plus en survitesse. Qu'on ne veut pas être en survitesse, on ne veut pas être en décrochage. Et puis, on va voir à chaque pas de temps les observations. Donc, au premier pas de temps, on a une alarme de décrochage et un indicateur d'accélération. Au deuxième pas de temps, on n'a plus l'alarme de décrochage, mais par contre, on a une consigne qui dit qu'il faut tirer sur le manche, etc. Et on va voir différentes. Voilà, ça, c'est ce qui s'est passé dans l'appareil, modélisé en logique et extrêmement simplifié, puisqu'on représente 4 pas de temps. Voilà, mais c'est ce qui s'est passé sur les 5 minutes qu'ont duré à peu près la chute de l'appareil. Et avec, au début, ils ont tiré sur le manche. À un moment, ils étaient un peu tournés, ils ont repoussé sur le manche. Mais manque de bol, ça s'est remis à déconner. Donc, ils sont retirés sur le manche. Et voilà. Et donc, on a modélisé ça avec nos états de croyance. Et à chaque pas de temps, on va comme ça obtenir des ignorances. Donc, par exemple, c'est des exemples. Hein, là, je vous donne un scénario possible. Donc, dans ce scénario, au premier pas de temps, l'ignorance qu'on fait, c'est qu'on ignore le fait que quand le manche vibre, c'est a priori qu'on est en décrochage, et on ignore le fait qu'il y avait une alarme de décrochage. Et forcément, on ignore le fait qu'on ne voulait pas être en décrochage, puisque de fait, on est en décrochage. Et donc, quand on fait ça, ben, ça nous donne une révision possible pour le pas de temps 1, et il se trouve que cette révision, elle est intéressante parce qu'elle correspond à un biais d'attention. Le BEA, quand ils ont regardé l'accident, ils ont dit « c'est possible que les pilotes, en fait, ils étaient un peu concentrés sur différents appareils, et du coup, ils n'ont pas fait attention à l'alarme de survitesse. » Donc là, le fait d'avoir ignoré l'alarme, ça pourrait être effectivement lié à un biais d'attention que nous, on a repéré dans notre modèle. Il y a aussi, voilà, ils n'ont pas tenu compte de la règle R1, ça c'est identifié par le BEA aussi, hein, ils disent, voilà, le buffeting, en fait, les pilotes, ils n'étaient pas très bien entraînés, ils n'ont pas compris que c'était une alarme, un indicateur de décrochage. Ensuite, au temps 2, là, on a une règle, et en fait, là, on retrouve un biais d'engagement. Alors, qui n'a pas été pointé du doigt par le BEA, mais en fait, ils ont commencé à tirer sur le manche, et nous, on dit, bah, au temps 2, ils ont continué. Et ça, c'est un biais d'engagement, c'est un truc assez classique.
autant 3. Il y avait le directeur de vol qui disait qu'il fallait tirer sur le manche, et là le pilote a pas tiré sur le manche, et le BA dit effectivement, constate effectivement que les pilotes n'ont pas suivi les instructions. Alors c'est des instructions qui étaient erronées, hein, mais du directeur de vol. Et donc on retrouve bien effectivement cette conclusion. Et puis après, il y a un biais de confirmation aussi identifié par le BA, qui nous dit que le directeur de vol a pu induire les pilotes en erreur, et du coup, ça a convaincu les pilotes qu'il fallait ignorer l'alarme de décrochage. Donc, ils ont effectivement ignoré les conséquences de l'alarme de décrochage. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous, on va attraper dans notre biais de confirmation avec le deuxième confirme que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup, on retrouve en fait dans notre algorithme les principales conclusions du BEA. Le biais de facilitation, le biais de confirmation, le fait que le buffet n'était pas associé à la survitesse. Mais on a retrouvé aussi d'autres choses qui n'étaient pas forcément pointées, comme le biais d'engagement, le biais d'optimisme, les faux souvenirs. Et ça aussi, c'est des explications qui peuvent être intéressantes. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on arrive comme ça à peut-être compléter les conclusions que les inspecteurs enfin, les spécialistes de l'aviation civile ont pu identifier comme les causes possibles de l'accident. Donc, évidemment, la prochaine étape, ça serait de confronter ces résultats avec des experts et des pilotes. Et ça, c'est un peu compliqué, parce que les experts et les pilotes, quand on leur montre des trucs comme ça ou comme ça, ça leur parle pas beaucoup. Du coup, là, on est en train de travailler avec les collègues au LISEN sur concevoir une interface en 3D dans laquelle on pourra prendre le point de vue des pilotes ou d'un observateur, et pour rendre visible, à l'aide de petites bulles au-dessus de la tête des pilotes, les croyances et les observations des pilotes, voir un peu dans le cockpit ce qui était visible, ce qui n'était pas. Donc, visuellement, en montrant ce qu'on cache et ce qu'on ne cache pas, pour dire là, le pilote, il n'a pas tenu compte de telle chose. Et comme ça, dérouler les scénarios. Alors, ça pose des questions intéressantes en échelle, parce qu'on ne va évidemment pas dérouler le scénario avec les milliers d'embranchements, mais on a besoin de se promener dans les différents scénarios. Et donc, on se pose des questions aujourd'hui sur comment arriver à rendre ça un film. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Heureusement, c'est la fin de ma présentation. Donc, pour conclure, je voulais vous dire qu'on a fait, Valentin a proposé un modèle de diagnostic de l'erreur humaine qui est fondé sur à la fois des travaux en IA, mais aussi des travaux en sciences humaines, et c'est ça qui moi, me semble intéressant. L'algorithme de diagnostic, c'est basé sur un modèle formel des croyances et des actions, et sur l'utilisation des MCS, donc des Minimal Correction Sets, avec l'algorithme de Lifton, pour ressortir les révisions possibles. Dans la thèse de Valentin, on a fait une validation théorique de cet algorithme, et en particulier, on a prouvé qu'il était correct et complet, c'est-à-dire que par rapport à un diagnostic par consistance classique en une seule étape, on retrouvait bien l'ensemble des choses, et on retrouvait en plus des ignorances qui sont intéressantes du point de vue des biais humains. Et donc, on a proposé une première taxonomie formelle des biais cognitifs, pour identifier les états de croyance et puis l'appliquer sur l'aviation. Et dans les perspectives, alors au niveau logique, on aimerait bien intégrer les émotions, les dimensions affectives et les travaux qui avaient été faits il y a plusieurs années maintenant à l'IRIT sur cette question qu'on aimerait bien pouvoir utiliser. Et on a commencé à travailler un petit peu en faisant des modèles de règles faibles et fortes, des croyances faibles et des croyances fortes, avec l'idée que ignorer des croyances faibles, ça peut se faire quand on a des émotions qui sont provoquées par ces croyances, pour justement essayer de faire un peu de gestion d'émotions, et ça permettrait d'expliquer certains comportements. Et puis, il y a une deuxième chose qui m'intéresse forcément beaucoup, c'est la partie multi-agent. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à représenter dans le modèle des connaissances sur autrui. Là, pour l'instant, on a un seul pilote qui conduit l'avion. J'aimerais bien qu'on puisse avoir des pilotes et des tours de contrôle qui communiquent entre eux, avec des erreurs de communication peut-être, et puis des croyances sur l'autre. Il y a un accident très célèbre en aviation qui s'est produit dans les années 90 aussi, je crois, qui était lié à deux pilotes qui croyaient chacun que l'autre allait faire quelque chose de différent. Évidemment, comme ils ont tous attendu que l'autre fasse, ça s'est mal terminé. Et puis après, il peut y avoir des choses de biais de paresse ou d'autorité qui apparaissent dans ce genre de situation, où j'attends qu'on me donne la consigne d'agir plutôt que de le faire moi-même, ou au contraire, je respecte une consigne alors que je sais qu'elle n'est pas tout à fait cohérente. Et en particulier, ça c'est très intéressant dans le domaine de la médecine,
Parce que l'aviation, nous, on a travaillé sur l'aviation, c'est super intéressant, l'aviation, parce qu'on a les boîtes noires, on a les analyses des rapports du BEA, donc on sait exactement ce qui s'est passé et on peut confronter notre modèle logique aux conclusions du BEA. Mais en vrai, l'aviation, c'est 600 morts par an, donc c'est bien, mais enfin voilà, c'est important, hein, mais c'est on n'est pas en train de c'est pas avec des modèles formels qu'on va changer la vie des gens. Les erreurs médicales, c'est des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts chaque année. Et on pense que faire des outils qui permettent de mieux comprendre les erreurs et ensuite aider les médecins à bah justement à éviter ce genre d'erreurs, ça peut être très intéressant. Donc on aimerait bien aller vers plutôt l'erreur médicale, et pour ça, il faut qu'on s'intéresse à des biais qui sont liés à de l'autorité ou le fait de suivre les ordres. Alors, dans d'autres projets dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, on a un petit peu commencé à travailler sur ça, et pour l'instant, c'est pas très abouti. Donc, je voudrais juste remercier très chaleureusement Valentin, donc qui est sur la photo là. Alors, il est un petit peu moins jeune maintenant, ça c'était au début de sa thèse, et surtout mes deux collègues Safuenta et Frédéric Boulanger, avec qui on a travaillé sur tout ça. Et maintenant, je suis disponible pour répondre à vos questions.